Donc, le débat va se dérouler. Donc, quand nous avons six personnes qui participent. Ben, d'une part, Jacques Baudry, qui donc, va nous passer un petit PowerPoint, qui est membre de l'UNRWA, qui a écrit beaucoup sur l'écologie du paysage, et qui va commencer le débat par nous présenter un peu ce qu'est l'écologie du paysage. Je vais également j'appelle Charles Dumoulin, qui doit être le voilà, qui est avec nous, qui est ingénieur écologue, qui préside le Grand Éco associé de l'atelier Nature et qui est vice-président de la FIE, l'Association française des ingénieurs écologues, si vous voulez bien vous asseoir. Non-paysagiste également, nous avons un élu de Franqueville-Saint-Pierre, qui est dans la banlieue rouennaise et qui est monsieur Philippe Leroy. Est-il là? Oui, monsieur Leroy. Vous voulez bien nous rejoindre? Donc, monsieur Leroy, lui aussi, nous donnera son avis. On va faire parler les professionnels, peut-être, et puis ensuite, on va faire réagir. Et monsieur Leroy m'a demandé s'il pouvait être franc et dire ce qu'il pensait. Donc, on lui a dit, oui, on est là pour ça, pour dire les choses, et pour que le débat se déroule. Nous avons ensuite trois paysagistes. Jean-Christophe Boulier est là, oui, donc qui est paysagiste, le local, je dirais, de l'État, puis il est paysagiste au CAUE de Seine-Maritime, je ne me trompe pas, CAUE 76. Karine Helms, que vous connaissez, vous avez vu souvent par sa participation aux assises européennes, dans les workshops, etc., qui est enseignante à l'école de Versailles et qui est paysagiste conseil de l'État pour le département de la Seine-Maritime. Et enfin, Loïc Maréchal, il est là, Loïc, il est pour moi, qui est paysagiste, tu es sur Nantes, et qui donc va également participer à ce débat, puisqu'il a travaillé avec les écologues. Alors, on va parler de le thème, vous l'avez dit, c'est écologie et paysage, deux points, le mariage impossible. Le premier intitulé qui avait été choisi était encore plus polémique. Certains l'ont refusé, d'autres l'ont regretté parmi les débatteurs. on devrait donc rester dans la polémique et surtout dans la franchise entre écologues et paysagistes. Je crois qu'il y avait surtout ça. C'est surtout ça que nous cherchons à développer ce soir, c'est de savoir si effectivement, quelle est la place des écologues, quelle est la place des paysagistes, est-ce que les uns et les peuvent se substituer aux autres ou pas. Voilà, c'est un petit peu le grand thème de la soirée. On n'a pas beaucoup de temps, hein, une heure et demie, c'est à peu près ce qu'on s'est fixé, puisqu'il faudrait qu'on parte faire des visites à 19h. Donc, ça va être peut-être vous laisser parfois sur votre faim, mais on essaiera de compléter la réflexion par d'autres, soit par d'autres débats, soit par des communications. Alors, je vais d'abord laisser la parole à Jacques Baudry, puisqu'il souhaitait nous parler d'écologie paysage et nous présenter un petit PowerPoint. Vous avez écrit sur l'écologie du paysage depuis 1999, vous avez fait, c'est ça, en 4 ou même avant. Moi, je m'étais arrêté à ce document que vous aviez coécrit avec Françoise Burel, qui est d'ailleurs dans la salle et que je salue, madame. Et donc, l'écologie du paysage, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Voilà, on va commencer par ça. Oui, bonjour, et merci pour l'invitation. Enfin, merci pour ce moment, on verra bien tout à l'heure. Et donc, oui, je souhaitais, puisqu'il y avait une question sur le mariage, donc vous présenter un peu ce qu'est l'écologie du paysage. Voilà. Donc, d'abord, je trouve que c'est top, les écologues s'intéressent au paysage. C'est bien que, de toute façon, tout le monde s'intéresse au paysage. Et en fait, la question de l'écologue du paysage, des écologues du paysage, et il y en a des centaines, des milliers à travers le monde, c'est quelle différence un écologue va trouver entre ces paysages du point de vue écologique. Donc ces paysages, ça va du bassin parisien, la pampa argentine, la Mongolie ou l'Afrique. Finalement, du point de vue écologique, ça a des caractéristiques très différentes, mais aussi il y a des fonctionnements qui sont. Donc on va les regarder. Donc on a des paysages qui peuvent être très différents, ou alors des paysages qui peuvent être proches, comme ici ces paysages bocagers. Ce gradient de paysage bocager avec en bas un bocage qui est encore dense, et en haut un bocage qui a presque disparu et qui sont sur un transect de 10 km. Et c'est la zone atelier de Plaine-Fougère, c'est
enfin de Armorique d'ailleurs. C'est un site qui, depuis 20 ans, est étudié par beaucoup de disciplines, y compris des paysagistes, et voir les évolutions de ces paysages ruraux. Alors l'écologue, dans un paysage, il va regarder la composition, hein, qu'est-ce qu'on y voit, et puis la structure, comment c'est organisé spatialement. Il n'y a pas grand-chose de... ce qui nous caractérise aussi, c'est qu'on travaille quand même beaucoup avec les géographes, qui nous allaient d'abord regarder un peu de travers, et qu'on fait une utilisation importante d'images, hein, que ce soit des photos, du satellite optique ou du satellite deep radar, LIDAR, pour faire la cartographie. On fait un usage peut-être immodéré de métriques paysagères, c'est-à-dire qu'à partir de ces cartes, on va faire des mesures. On va mesurer l'hétérogénéité, c'est plus pour vous donner des représentations. On va mesurer l'hétérogénéité, on va mesurer des grains, par exemple bocagers. Est-ce que c'est un bocage avec des petites parcelles, des grandes parcelles, etc., etc. Là, il y a des milliers de pages là-dessus. Et ça, c'est quand même le cœur, c'est de se dire la structure du paysage, sa composition, c'est ce qui va déterminer ses caractéristiques écologiques. Et on va regarder quelles bestioles, quelles plantes on trouve dans les paysages. On ne trouve pas des rats aux pieds partout, on ne trouve pas des coccinelles, des poissons, etc. Et puis, on va aussi se poser la question, ici, on a 5 bassins versants, avec des concentrations en nitrate qui vont de moins de 20 mg par litre à 60 mg par litre, donc on dépasse les normes. Et quelles sont les caractéristiques des paysages qui sont associés à ces bassins versants, que ce soit sur la partie visible, la structure, le bocage, l'occupation du sol, et la partie un peu moins visible, on peut pratiquer. Donc, tout ça, c'est un lien très fort avec l'action publique. Par exemple, la mise en place de bandes enherbées le long des cours d'eau, qui représentent 600 000 hectares en France, ça vient quand même de ce que les écologues ont commencé à regarder les flux et à se dire si on met des bandes enherbées le long des cours d'eau, ça peut protéger les cours d'eau. Et puis le plan éco-phyto, moins de pesticides, quels sont les paysages qui vont quand même nous permettre de maintenir, de protéger les cultures contre l'enfio-agresseur. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction pour placer brièvement ce qu'on fait. Merci. S'il te plaît. Est-ce que ça marche? Non. Merci Jean-Pierre. Voilà. On va continuer avec les écologues, avec Charles Dumoulin. Vous nous expliquez, vous, en quelques mots, je vais vous passer un micro, ce qu'est un ingénieur écologue. Vous avez bien compris que Jacques Baudry est dans la recherche d'abord, hein, je peux mettre, voilà. Et on y reviendra tout à l'heure d'ailleurs, parce que pas assez de chercheurs, m'a-t-il dit, dans le paysage. Si vous trouvez un chercheur qui trouve qu'il y a assez de chercheurs dans cette discipline. Charles Dumoulin, un ingénieur écologue, quelle est votre la définition de votre métier? Alors, la définition de mon métier, elle est dans le mot. Alors c'est vrai que le terme écologie est un peu repris à toutes les sauces aujourd'hui. Il y a des voitures écologiques, il y a du papier écologique. Nous, l'écologie, c'est éco, la maison, et logie, l'étude. C'est l'étude des habitats, l'étude des écosystèmes, l'étude des milieux naturels. Et donc, notre profession, la spécialité d'un ingénieur écologue, c'est de comprendre comment fonctionne un milieu naturel, et quelles sont les interactions entre le milieu physique et le milieu vivant. Alors, beaucoup de mes confrères travaillent en bureau d'études, et ce qui a porté la profession, ça a été la loi qui impose les études d'impact, et beaucoup d'ingénieurs écologues sont dans ces bureaux d'études pour ces études d'impact, et on a vu apparaître récemment de plus en plus dans les marchés d'aménagement d'espaces verts, des demandes parfois en écologie. Donc, la compétence d'un ingénieur écologue serait un plus, vous avez déjà dû voir des choses comme ça. Et on s'est posé la question, alors à l'Association française des ingénieurs écologues, comment se positionner, comment travailler au mieux avec un paysagiste. Je crois que ça a été vu effectivement par les professionnels qui sont dans la salle, en échangeant un petit peu avec eux. Je pense que le questionnement qui est celui du débat aujourd'hui, justement, de ces demandes qui se multiplient, je vais peut-être changer un petit peu l'ordre de ce que j'avais prévu. Si vous pouviez passer le micro à monsieur Leroy, qui est à côté de vous, à votre voisin,
parce que là, on aborde justement les demandes d'écologie dans les projets d'aménagement. Je crois que là, vous aviez des choses déjà à nous dire, monsieur Leroy. Vous allez peut-être nous lancer un petit peu déjà sur... Vous allez faire monter la température, peut-être. Je ne sais pas à quoi vous voulez faire allusion. Il y a beaucoup à dire. J'aurais tendance à dire que quand je vois le thème mariage entre écologie et paysage, quand il y a un mariage, il faut qu'il y ait des concessions des deux. Et donc, je ne sens pas de concessions de part et d'autre. Et donc, c'est vrai qu'on va de ce fait-là vers le divorce. L'écologie est une bonne chose et respecter la nature, c'est évident. Créer de beaux paysages, c'est aussi évident. Mais il y a un moment, il y a des limites à tout. Je vois sur ma commune, nous avons réalisé une ZAC avec une mise en valeur de la nature de différentes façons, avec des successions de noules, le traitement de l'eau pluviale a été fait par des séries de bassins avec un chemin de l'eau, etc. Un mail très joli. J'ai imposé à l'aménageur de vendre les parcelles avec une haie champêtre en bordure de domaine public. Donc, on s'était payé quand même dans la facture. Hein. Mais toujours est-il, c'est que l'aménageur devait faire une haie champêtre. Il y a eu un choix. C'est Samuel Craquin qui a fait ce choix de haie champêtre. On a une véritable qualité de paysage et de mise en valeur de la nature. Mais quand je vois à côté de ça pendant 6 ans, j'étais plus maire, mais je me retrouve devant la situation et on me dit « Ah, bon, on va traiter des trottoirs. » Non. Et alors, nos trottoirs sont en train d'être poussiérés parce qu'il ne faut pas employer de produits. Alors, on me dit « Ah, au chalumeau. Ah, ça ne marche pas. » Il y a plein d'autres choses. Alors, il y a un moment, ça s'est fait au nom de la sacro-sainte écologie, mais il y a un moment où il y a des limites aux choses. Et pour nous, élus, et pour les habitants qui ne comprennent pas pourquoi les trottoirs, les voiries, non seulement sont pleins d'herbe, mais en plus de ça se dégrade de ce fait-là, eh bien, il y a un moment, il y a quelque chose qui ne va pas dans le rapport entre écologie et paysage. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a déjà des réactions dans la salle, peut-être ? On va essayer d'être un peu interactif. Sinon, on va laisser maintenant la parole aux paysagistes, un petit peu. On va laisser la parole aux deux écologues et à l'élu. J'ai envie de me tourner vers Loïc Maréchal tout de suite pour lui demander, poser la question toute simple, est-ce que les paysagistes ont besoin des écologues dans la réalisation de leurs projets aujourd'hui. Parce que l'écologie, effectivement, M. Leroy l'a dit, elle est omniprésente. Il y a une prise de conscience écologique qui est réelle, qui est incontestable. Elle connaît peut-être parfois des excès. Enfin, elle est là et elle fait partie de l'évolution de notre société. Donc, dans le projet, est-ce qu'un paysagiste aujourd'hui le fait intègre l'écologie? Est-ce qu'il le fait de manière naturelle ou est-ce qu'il le fait de manière forcée, en gros? Tu dis quoi, peut-être? J'ai le sentiment que je ne peux pas répondre non. D'abord, je voulais dire, j'étais un peu surpris du débat, là, le mariage impossible. En fait, ça fait maintenant presque 20 ans que j'essaye de faire ça. Je me suis dit, encore un mariage raté à d'autres types. Et parce qu'il y a vraiment un parallèle très fort entre le métier de paysagiste et le métier d'écologue. C'est finalement des parcours presque communs dans l'histoire, en fait, du XXe siècle ou même du XIXe siècle. Et les métiers apparaissent à un moment donné, redisparaissent aussi à un autre moment, au moment des Trente Glorieuses, et réapparaissent maintenant.
et il y a plein de points communs à travailler ensemble, la question des continuités vertes par exemple, là, qui sont vraiment des trucs très intéressants du point de vue écologique, mais très intéressants aussi du point de vue paysager, donc, parce que ça joue aussi sur les mobilités douces, sur le rapport social qu'on peut avoir, le rapport à la nature, etc. Donc, moi, je ne sens pas du tout d'opposition avec des écologues qui prendraient une part du métier des paysagistes ou le contraire. Donc, par contre, peut-être qu'il y a un moment, il faut apprendre à parler ensemble. Effectivement, bien, il y a des questions de vocabulaire qui ne sont déjà pas forcément évidentes, de concepts à avoir pour les uns et pour les autres, de façon à bâtir des projets qui se nourrissent des compétences des uns et des autres. Donc, chacun a des expériences dans le domaine. Là, moi, je pense à un projet sur lequel on travaille en ce moment, où on est sur un coteau, on veut réouvrir les vues sur un fleuve. Le coteau s'est très boisé, il était avant cultivé, il fut un temps où il y avait de la vie, tout ça était parti, abandonné, les prairies, qui étaient des prairies inondables, ou même des prairies sèches sur les coteaux, se sont refermées avec de la végétation, et nous, paysagistes, on regarde là où on pourrait réouvrir les vues, et on discute avec les botanistes et puis les écologues sur là où ça serait intéressant pour eux de remettre en gestion. Et on s'aperçoit qu'assez rapidement, on arrive à un point de vue commun et une synergie de projet qui est vraiment très intéressante. On ne parlait que de ces deux aspects-là, parce qu'il y en a bien d'autres sur les usages, etc. Ou sur un autre projet, je pense au poteau de l'école Aimé Césaire sur l'île de Nantes, où on travaille avec l'université, les botanistes de l'université, pour avoir une approche phytosociologique vraiment complète. Donc, moi je trouve que le mariage, il est d'amour, quoi. Bon, alors on arrête le débat. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est comment le prolonger, comment effectivement on passe du jardin à la... Ce qui est intéressant, ouais, peut-être, c'est effectivement le discours, parce que s'il y a un parallèle entre les deux professions, il y a une approche peut-être aussi qui est différente. Enfin, moi, avec un regard de béotien, j'ai l'impression que l'écologue travaille, observe, vous l'avez dit, il observe, il compte, il travaille sur de l'existant, et peut-être sur du passé, sur une logique du passé, alors que le paysagiste est plus dans la conception, et plus dans l'imaginaire de ce qu'on peut faire. Est-ce que ça, c'est compatible, ou est-ce que c'est là, peut-être, que... Monsieur Baudry, vous voulez réagir par rapport à ça ? Oui, non, parce que en fait, là, je faisais un écologue du paysage chercheur. Après, on développe aussi beaucoup de scénarios. Sauf que j'ai commencé en bureau d'études, et c'est en travaillant en bureau d'études que, faisant des études d'impact, hein, j'étais au début de la vie. Et puis de se dire, mais si on veut aménager ce paysage pour des raisons environnementales, telles que prévoit la loi sur la protection de la nature, il y a un moment, il faut traiter le paysage et pas la haie X plus la haie Y plus la haie. Et donc, les projets, ils viennent de là. Après, on peut avoir des projets, mais des projets qui ont des objectifs soit biodiversité, soit qualité de l'eau, soit... et puis après, les combiner avec des aspects paysagers, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que le problème, il n'est pas de mariage entre écologie et paysage, pour ça... C'est un peu passé. Le problème, c'est comment les écologues et les paysages peuvent, paysagistes, ou les archéologues, ou tous les gens qui s'intéressent au paysage peuvent travailler ensemble, parce qu'il y a de la sociologie du paysage. Et ça, c'est pas, il n'y a pas vraiment beaucoup de forums pour que les gens se rencontrent hors projet. Dans le monde de la recherche, il n'y a pas. D'accord, oui. J'ai été du conseil scientifique. En dehors du forum et des rencontres, est-ce que. Au niveau de la formation aujourd'hui des paysagistes, l'écologie est présente, Karine. L'exemple d'une part de l'enseignement que vous avez à l'École nationale de Versailles, mais aussi à travers tous les liens que vous avez avec les étudiants européens au travers des workshops que vous organisez. Est-ce que l'écologie fait aujourd'hui partie de la formation du paysagiste? Parce que c'est peut-être un début de réponse. Alors, je pense qu'il serait bien de rappeler qu'il y a l'école française du paysage, mais en Europe, il y a plusieurs façons de devenir paysagiste, et il y a, entre guillemets, des écoles. On n'a pas tout à fait les mêmes diplômes. Il y a le Master in Science et le Master in Arts. Et, alors, dans les universités, c'est Master in Humanities, quand il y a le terme de paysage, mais là, nous nous éloignons beaucoup de la question de la conception. Mais
paysagiste concepteur sont Winston Sims ou Winston Hart. C'est une notion qu'on n'a pas exactement ici en France. Il y a bien l'école française du paysage, et je le souligne parce que nos formations dans les différentes écoles françaises sont extrêmement similaires. Je dirais même qu'il y a une vraie école française. Et quand on regarde Winston Sims, oui, bien entendu, il y aura une mise en avant plus de formations scientifiques. Traditionnellement, culturellement, les formations à l'écologie. Alors, le mot écologie, d'ailleurs, aussi est à nuancer, puisque là aussi, il y a un nuancé de qu'est-ce qu'on entend par écologie. Et on retrouve des matières qui, ou des disciplines qui sont beaucoup moins présentes, ou voire presque disparues en France, comme la phytosociologie, par exemple. Voilà, hein, c'est mort en France. Hein. et qui sont importantes. Font partie de la formation très présente dans toutes les écoles aussi scandinaves de life science. C'est la formation dans différents domaines de l'écologie est effectivement très présente. Alors que dans les master in art, non, il y a effectivement l'enseignement de botanique, l'utilisation des plantes, choses plus classiques, on va dire. Mais il y a l'aller-retour avec la conception qui est pratiquement laissé à l'effort de l'étudiant de faire cet aller-retour itératif. L'école française du paysage, je vais probablement être critiquée par les membres qui sont ici, mais elle s'approche plus des sciences naturelles que de l'écologie scientifique, hein, et peut-être pour des raisons culturelles. Tu as été membre du conseil d'administration, tu peux en témoigner. Mais ça a permis un aller-retour plus proche de, dans la conception que le fondement d'un projet est au départ de compréhension morphologique, tout ce qui est physique, climatique, les habitats, leur dynamique. Et ça veut dire qu'on est vraiment généraliste sur ces questions et pas aussi précis. Et sur le quantitatif, je dirais même pas du tout. Mais l'objectif de cette formation est évidemment de concevoir des concepteurs pour créer des paysages culturels de demain. Donc on pose beaucoup la question de, l'espace. On n'est pas du tout dans le quantitatif de se poser la question est-ce qu'on est en train de créer un site où l'habitat permettra à le petit télé ou le petit cafard d'être présent en nombre, hein. Je caricature. D'accord. J'ai toujours, dans des projets, je vais citer celui de Sophia Antipolis de l'agence Terre, hein, où à un moment donné, il y a la recherche de concepts pour l'extension de Sophia Antipolis, et à un moment donné, on passe même un paysagiste par la phase de l'écologie du paysage. Donc, par exemple, on dit forêt dégradée méditerranéenne, on se pose la question comment elle va être, comment on va pouvoir faire pour la restaurer. C'est là où intervient, par exemple, cette spécificité. Elle peut être faite par des paysagistes qui ont aussi des formations d'écologie ou par. Est-ce que tous les paysagistes ont une formation d'écologie? Non, c'est ça la grande richesse de notre formation dans l'école française, c'est qu'en règle générale, ils ont un premier cycle. Notre formation, qu'elle soit plus artistique, plus scientifique, plus dans du jardinage d'ailleurs, hein, donc plus horticole, plus technique. C'est ça qui a créé la grande diversité de notre métier en France. Hein. Et probablement une richesse qu'il faut garder. D'accord. Du côté de la maîtrise d'ouvrage, Jean-Christophe Boulier, qui travaillait en permanence avec les communes, est-ce qu'il y a cette distinction entre les deux approches ou les deux métiers? Est-ce qu'il y a au contraire une manque de connaissances, une envie de connaître? Je poserai la question à M. Leroy ensuite. Mais là, c'est au paysagiste qui travaille avec la maîtrise d'ouvrage. Moi, enfin, du coup, effectivement, par rapport aux missions qu'on peut avoir au CAE, donc qui sont vraiment en amont d'une mission de maîtrise d'œuvre, je dirais que quelque part, on rentre en dialogue avec des élus
par rapport à des problématiques qu'ils ont sur leur territoire. Et voilà, on essaye de voir un peu quels sont les enjeux et de préparer effectivement une mission de maîtrise d'œuvre. Ce que je... La chose sur laquelle je voulais un petit peu témoigner devant vous cet après-midi, c'était plutôt de ce que je perçois. Hein, donc on est sur un territoire de Seine-Maritime, plus de 700 communes, essentiellement rurales. Et aujourd'hui, je viens témoigner pour dire que les élus ils prennent à bras le corps cette question de l'écologie. Ils se posent des questions. Ils ont à améliorer le cadre de vie de leurs citoyens. Ils ont à accueillir des publics dans le cadre de, je sais pas, de circuits touristiques, de choses comme ça. Ils ont à améliorer l'espace public de leur commune. Et à partir de ces clés d'entrée-là, il y a des préoccupations qui vont apparaître sur des territoires, des parcelles qui sont souvent assez stratégiques. Parce qu'elles peuvent être liées à des systèmes écologiques plus globaux. La commune acquiert une parcelle d'un hectare, un hectare 7, 2 hectares, en entrée de bourg, mais qui appartient à un système écologique beaucoup plus global de prairies humides, 160 hectares au sud de Dieppe, par exemple. Et en se disant qu'on ne peut pas travailler notre entrée de bourg, on ne peut pas travailler... cette question du paysage qu'on veut, voilà, de la vitrine de la commune finalement, parce que l'entrée de bourg c'est aussi une certaine vitrine, on ne veut pas le travailler sans regarder ce qui se passe, sans savoir comment fonctionne d'un point de vue hydraulique, d'un point de vue des insectes, des petits oiseaux. Et pour aller vers quoi? Vers une muséification, vers une, alors, ou alors vers les, parce qu'on parle des cadres de vie. On peut, alors, parce que ces opérations-là peuvent faire partie du cadre de vie. Je ne sais pas si c'est de la muséification. L'idée est plutôt dans ce cadre-là, à chaque fois, de territoires qui n'ont pas été regardés, qui n'ont pas, sur lesquels il n'y a pas eu d'action de l'homme depuis souvent longtemps, ou simplement des pâturages un peu extensifs, de voir comment on peut redonner de la valeur écologique à ces territoires et comment on peut présenter cette diversité écologique présente sur ces territoires, comment éventuellement par une action particulière on peut montrer voilà, par rapport à un gradient d'humidité des milieux différents avec des groupements phytosociologiques différents. J'emploie aussi des mots un petit peu que vous avez employés tout à l'heure, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai une formation, une sensibilité par rapport à ça. Et voilà, je pense qu'effectivement, à un moment donné, ces élus ont envie de mettre à disposition des territoires communaux avec cette logique de préserver des milieux écologiques naturels. Voilà. Et d'accord. Derrière, il peut y avoir des logiques un petit peu pédagogiques. C'est-à-dire que du coup, les élus vont vouloir quand même présenter ces milieux-là. Donc, il y a l'idée d'un parcours, il y a l'idée d'un petit panneau peut-être pédagogique, enfin d'un sentier d'interprétation ou de choses comme ça qui peuvent apparaître derrière. Donc ça, c'est une part des expériences qu'on peut avoir. Et pour moi, c'est important de dire que on voit les élus aujourd'hui qui sont vraiment, qui ont cette prise de conscience. Il y a 20 ans, on ne parlait pas du tout de la même façon de gestion différenciée des prairies qu'on peut en parler aujourd'hui. Hein, parce qu'il y a 20 ans, bah, c'était sale aujourd'hui. Alors, M. Leroy, je le connais un petit peu parce que j'ai travaillé avec lui il y a longtemps, mais je vous retrouve, en plus c'est bien. Mais c'est la question de comment on communique autour de l'herbe qui est... Entre deux dalles en ciment sur votre trottoir. Et il faut expliquer ça. Et puis on a aussi des élus qui reviennent à des pratiques anciennes. On a, alors tout à l'heure, pour ceux qui viendront au CAUE de Seine-Maritime, je vous diffuserai une petite plaquette qu'on a fait sur une commune qui s'appelle Ménière-en-Bray, où le maire fait la promotion de l'usage de la rasette sur l'espace public. Bah, retrouver la rasette voilà, qu'on a remisé dans nos placards depuis très très longtemps, je trouve que c'est une façon d'approcher la question de la présence de l'herbe
sur nos espaces publics qui est quand même assez intéressante. Monsieur le Roi, par rapport à ces problématiques de reconquête, de milieu naturel, etc., vous vous sentez libre ou vous arrivez assez aisément à l'intégrer dans un projet de ville? J'ai plaisir à entendre parce que là, pour un élu, on sent du concret. Excusez-moi, madame, mais la formation, moi, je n'ai pas cette culture et un maire, il faut qu'il se débrouille dans tous les domaines. Il faut qu'il s'entoure de gens compétents et après, il faut qu'il décide. Alors, par rapport à ce qui a été dit, on a l'envie de faire un environnement de qualité. Franck-Mille Saint-Pierre est situé dans la banlieue de Rouen. C'est une commune de 5600 habitants. Et j'aime à dire, comme définition de la commune, c'est à la porte de la ville, une fenêtre sur la campagne. C'est vous dire ma sensibilité sur le sujet. C'est vrai qu'on arrive, on est très sensibilisé sur amener à améliorer la qualité. Par exemple, je reprends dans la commune et quand je vois tous les panneaux publicitaires, ça vous donne des frissons. Quand je vois qu'il y avait une ZAC qui était prévue avec une zone artisanale comme entrée de commune, des bardages métalliques, on fait mieux. Bon, et là, on aime bien monter le paysage. Le paysage, ok, on veut, et ça c'est la première des écologies. C'est le support de l'écologie, c'est le paysage. Mais nous, ce qui était dit, c'est que à côté de ça, on est complètement désarmé quand on a des contraintes écologiques. Et qu'il faut faire avec ça. Et nous n'avons pas... Désolé, je ne connais pas la rasette. Mais c'est ça notre problème. C'est qu'on nous demande de faire tout avec rien. On ne sait pas. Et là, donnez-moi toute la documentation que vous voulez, du moment qu'elle est concrète. Parce qu'on est des hommes de terrain, des hommes et des femmes de terrain, et on a besoin de résoudre des problèmes concrets. Quand vous parlez concret, je suis présent. L'abstraction, là, je suis plus. Karine, rien contre la formation, parce qu'il faut bien de la formation. Karine, vous avez été interrogée en tant qu'enseignante, effectivement, elle est aussi paysagiste au Conseil de l'État, et je pense qu'elle a envie de tout connaître. Différemment et autour du... Donc pour être concret, je pense qu'on a tous en commun, tous dans cette salle, quelle que soit notre discipline, mais qu'elles sont toutes proches, c'est qu'on est sur du terrain, comme on dit. Hein. C'est la première chose. On fait tous en commun, on n'est pas dans des bureaux d'études devant des écrans. Pour commencer, on est d'abord dehors, comme vous, sur le terrain. Donc c'est ça que nous avons tous en commun. Mais on a des regards probablement différents sur... qu'est-ce qu'il faut y faire, quelle serait la réponse pour un aménagement, quelle que soit l'échelle. Je suis entièrement d'accord, ça peut être une entrée de ville ou ça peut être un aménagement à grande échelle pour une intercommunalité, pour une région. Il y a toutes les échelles qui peuvent intervenir, mais la première chose, c'est de faire du terrain. Et on partage cela. Et quand on parle de terrain, pourquoi on va sur le terrain, c'est parce qu'effectivement, le terrain, en le regardant, c'est un... Alors ça, c'est très différent des architectes. Pour nous, ce n'est pas un vide en opposition au plein des constructions. Pour nous, c'est un plein, tout ce qui se passe dehors. Il y a une histoire, on peut la lire, on peut voir si c'est un terrain qui a été abandonné depuis longtemps, son histoire, sa dynamique. Et c'est probablement ce qu'on a en commun avec les écologues. C'est qu'il y a une lecture de ce qui se passe et il y a aussi interprétation. Et c'est là ce qu'on répond à une question. On va sur un terrain uniquement quand vous, élu, vous nous avez posé une question d'ailleurs, hein, d'aménagement. On n'y va pas, sinon. Donc c'est vrai qu'on va toujours répondre à la question qui nous est posée, entrée de ville, mais en même temps, après avoir lu, compris, essayer de comprendre ou interpréter ce qui se passe sur ce terrain, pour être en dialogue avec celui-ci, pour que ces aménagements soient le plus contextuel possible, c'est-à-dire qui se marient, si on peut dire. Se marie
le mieux avec ce contexte pour qu'il y ait un projet qui soit pour l'entrée de votre commune et pas une recette qui puisse être à l'entrée de Lille ou de Strasbourg ou de je ne sais pas où. Hein, donc c'est là où on a en commun d'être sur le terrain d'abord, hein, avec vous. Parce que vous êtes en règle générale, vous les avez ceux qui ont la mémoire du lieu. Et on a besoin de vous pour qu'on ait un dialogue entre ce que nous on voit, on interprète, et votre demande, mais aussi la mémoire de ce qui s'est passé dans le passé, les usages. Et d'ailleurs, est-ce que l'approche des deux professions, un paysagiste peut répondre à une commande sur un espace, je dirais, limité, concevoir quelque chose. L'écologie, quand on l'étudie, quand elle arrive dans le projet, elle peut répondre sur une zone particulière. On parlait tout à l'heure de ces zones humides en entrée de ville, mais aussitôt, elle soulève des interactions avec d'autres territoires. Là, j'ai envie que l'un ou l'autre, mais ou l'un après l'autre, vous réagissiez par rapport à ça. Peut-être d'abord Jacques Baudry, savoir si c'est une réalité, si ça ne titille pas un peu peut-être le projet de paysage, justement, d'introduire l'écologie. Et je demanderai ensuite à Charles Dumoulin si ça ne donne pas la tentation aux écologues de se mêler de paysage. Voilà. Je vous laisse réagir par rapport à ça. La première chose, je voudrais quand même réagir par rapport à ce que dit M. Leroy sur arrêter d'utiliser de l'herbicide sur les trottoirs. Bon, j'habite à côté de Rennes. Rennes est arrêtée depuis 10 ans et la population l'a très bien pris. Maintenant, les gens commencent à casser les trottoirs pour semer des graines, commencent à mettre des trucs à manger au pied des arbres. Et ça se fait à Paris et dans les choses que je connais un peu, la ville de New York qui a plein de problèmes financiers encourage ses habitants à planter au pied des arbres, à casser les trottoirs pour... Et donc, en fait, on a un changement culturel total par rapport à ce qui est beau. Ce qui est beau. Donc, et là, effectivement, ça intéresse l'écologue. Parce que l'écologue, l'usage des pesticides, le problème, il est d'avoir un problème de santé publique. Ça, c'est le gros problème. Et le deuxième, c'est le problème de la biodiversité, c'est pas non plus garder de la biodiversité pour garder de la biodiversité. Bon, c'est sûrement intéressant pour les naturalistes. Mais c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons évolué avec toutes ces plantes, tous ces insectes. En fait, on a évolué biologiquement en interaction avec eux. Et on a besoin du contact avec la biodiversité. Il commence à y avoir des travaux qui montrent que le fait de ne pas d'avoir très peu de contact avec ces champignons qu'il y a dans les arbres et tous les trucs horribles qu'on ramasse sur la peau, si on ne les a pas, en fait, en termes de santé, il y a un vrai problème. Donc, je crois que le problème du paysage, on va parler de paysage simple, enfin, c'est quelque chose qui est quand même à prendre en compte, cette question de santé publique. Alors après, les échelles des écologues et des paysagistes, elles ne vont pas forcément être les mêmes. D'abord parce que l'écologue, il va s'intéresser à des choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'il va aussi se dire, ce qui est là-bas, un peu loin, ça va entrer en interaction. Le cas de la parcelle là, bon, elle est en train d'interaction avec des choses qu'on ne voit pas nécessairement, mais qu'on va donner à lire et à comprendre. Je crois que là, on peut trouver des choses. Moi, je ne vois pas. Mais de toute façon, le problème des échelles et des problèmes de superposition des unités fonctionnelles entre disciplines, ça, on l'a sans arrêt, entre les bassins versants et les communes, bon, un peu, c'est le Pays de Caux, par exemple, où il y a quand même des problèmes d'aménagement paysager pour des raisons hydrauliques. Les communes et les bassins versants, ça ne se superpose pas. Donc il y a bien un moment où ça ne se superpose pas avec les exploitations agricoles, je suis à l'INRA. Il y a un moment où il faut rentrer dans du collectif et prendre un territoire sur le plan quelle est la fonction qu'on veut lui donner en priorité. Ça qui va être important. Je voudrais refaire une parenthèse. Avant de passer la parole, je voudrais peut-être redonner la parole à M. Leroy, parce qu'il va vous donner une discussion, etc. Et quand nous avions échangé pour préparer un peu le débat, M. Leroy m'avait dit texto, et je vais vous faire réagir par rapport à ça. Oui, c'est bien. Alors j'avais noté exactement, on préfère empêcher le contournement de Rouen, pour des raisons écologiques, plutôt que de résoudre le problème des camions dans la commune. Et dans les communes environnantes. C'est une vraie question, et c'est une vraie réaction.
Donc, voilà, Lucas, permettez, je fais une parenthèse. Puisque vous me lancez la pierre, je ne vais pas aborder le sujet pour ne pas être en sujet, mais c'est vrai. Moi, on attend, on est la dernière agglomération de cette importance, à ne pas avoir de contournement d'agglomération. On nous a sorti la petite Violette de Rouen. J'espère que tout le monde connaît la petite Violette de Rouen, puisqu'elle est classée au patrimoine de l'UNESCO. Désolé pour ceux qui ne le savaient pas. Mais on nous a dit, bon, donc on ne peut pas faire passer le contournement à cet endroit-là. Mais par contre, les poids lourds continuaient à passer par le centre de Rouen pour aller à un autre point de Rouen. Donc, c'est là où, je suis désolé, mais en matière d'écologie, moi j'aime bien les petites fleurs, surtout pour les offrir. Mais faire passer les petites fleurs, surtout qu'après le préfet m'invite à déjeuner et me dit, monsieur, vous savez, il faut que je vous dise, en fait, la petite violette de Rouen, elle, à cet endroit-là, il n'y en a pas. Mais le sol est propice à la réimplantation de la petite violette de Rouen. Et là, il y a de quoi hurler. Là, je suis d'accord avec vous. Alors, puisque je veux que je lis, on se trompe dans l'écologie parce qu'on fait passer des. C'est un escargot, c'est un. À chaque fois, il y a quelque chose. On fait passer avant, par rapport aux humains qui doivent digérer les fumées des poids lourds et de la circulation. On parle d'améliorer les transports en commun, de favoriser les transports en commun. On n'améliorera pas les transports en commun dans l'agglomération rouennaise tant qu'il y aura tout un trafic parasite qui n'a rien à y faire. Je vous ai interrogé un peu volontairement, ce n'est pas tant un sujet que ça, parce que dans les échanges que nous avons eus aussi bien Jacques Audry que Charles Dumoulin, mais aussi les paysagistes, ont quand même se sont positionnés assez fermement comme n'étant pas dans le phénomène écologique ayatollesque qui est un peu à la base de ce type de réaction. Donc je vous laisse d'abord réagir, et on reviendra après sur le projet. Je suis d'accord avec vous, on se trompe en matière d'écologie. Et pourquoi on se trompe? Alors c'est beaucoup la faute de la loi française, la loi 76 sur la protection des espèces protégées. La loi française protège des espèces. Alors ça vient de directives qui étaient sûrement de bonne foi. Mais vous protégez une espèce, alors la petite violette ici, autre part ce sera sonar entre jaune, vous protégez une espèce, et hop, arbitrairement, alors parce que les ornithologues aiment bien les oiseaux, donc il y a beaucoup d'oiseaux protégés, il y a beaucoup moins de gens qui aiment les araignées, il y a moins d'araignées protégées. L'écologie, c'est une dynamique. C'est une dynamique de milieu, c'est une évolution de milieu. L'ours blanc, la petite violette, est vouée à disparaître, comme toutes les espèces sur Terre. Si vous prenez toutes les espèces vivantes qu'il y a eu sur Terre depuis la création de la vie, il y a peut-être 99% des espèces qui ont disparu. Donc, l'écologie a été pensée de manière un peu figée, hélas, de manière naturaliste, avec ça c'est protégé, ça c'est pas protégé. Ici, une espèce protégée, on fait rien. Là, il n'y a pas d'espèce protégée, on y va. Au contraire, je pense qu'il faut penser l'écologie de manière dynamique, en laissant de la place dans nos aménagements, en intégrant la possibilité à la biodiversité de se développer dans nos aménagements, pour que la nature, s'intègre, se varie avec l'activité humaine. Et ça, comment on y arrive? Eh ben, en travaillant avec des paysagistes, précisément. Parce que si vous laissez un écologue faire un espace vert, il vous fait une friche. Et puis, si vous laissez un paysagiste faire un espace vert, il vous fait un jardin à la française. Ça, c'est le grand cliché. C'est le grand cliché dans l'esprit des gens. C'est pas cliché, mais c'est pas faux. Voilà, dans l'esprit des gens, ce que vous disiez au tout début, il y a une herbe sur le trottoir, ça y est, il faut l'enlever. Alors, heureusement, tout ça, c'est en train de changer. Et je pense que en faisant ce mariage entre écologues et paysagistes, on peut arriver, en apprenant à faire des diagnostics que vous allez comprendre, c'est peut-être pas des diagnostics comme dans les études d'impact où on fait une liste d'espèces protégées, mais en essayant de faire un diagnostic sur le fonctionnement du milieu, en discutant avec vous, ça devrait vous donner des billes pour ce que vous aimez faire, c'est-à-dire concevoir l'espace, donner des billes sur le fonctionnement des écosystèmes pour que vous puissiez, oui, c'est ça,
concevoir différemment l'espace. Et alors, par rapport au premier thème qui était l'écologie était de la norme du paysage, c'était très intéressant. Je pense que l'écologie doit être une des muses du paysage et apporter de la matière à vos réflexions pour pouvoir intégrer la biodiversité et l'activité humaine, ce qui est un enjeu de taille pour notre civilisation. Pardon ? Il y a une question ? Oui, on peut avoir quelques réactions. Je voulais juste revenir un petit peu, il y aura sans doute encore d'autres questions. La démarche, souvent la première démarche aujourd'hui, devient de faire un constat écologique d'une situation. Vous êtes en première ligne pour décrocher ces contrats-là, puisque c'est votre profession. Vous dites que vous travaillez avec des paysagistes. Mais le fait d'être appelé et ensuite de détecter des interactions, est-ce que ça ne vous pousse pas à faire de la maîtrise d'œuvre en aménagement? Parce que je crois que c'est ça, il ne faut pas se... Moi, en écoutant les uns et les autres, c'est qui doit avoir la maîtrise d'œuvre? Est-ce que l'écologie est un outil? Est-ce que c'est un outil important qui apporte au paysage? Ou est-ce que l'écologue peut se substituer au paysagiste et utiliser le paysagiste comme un outil artistique ou conceptuel? Là, la question de fond, enfin, je me tourne un peu vers la salle, mais pour avoir discuté avec les uns et les autres, je crois que c'est un peu comme ça qu'elle se pose la question. C'est pour ça qu'on se la pose aujourd'hui. C'est des formations qui sont très différentes. Un écologue, en théorie, il apprend comment fonctionnent les milieux naturels et comment tel impact va influer sur tel écosystème. Il n'apprend pas à concevoir le paysage. Il y a des paysagistes qui ont une formation en écologie, qui font des espaces verts écologiques très, très efficaces. Et il y a sûrement des écologues qui ont de bonnes connaissances dans le paysage qui peuvent éventuellement faire des espaces verts. Mais ce que je pense, enfin, ce qu'on essaie de promouvoir à la vie, c'est de placer l'écologue comme quelqu'un qui va apporter des billes à la conception, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est faire son diagnostic, co-concevoir l'espace, surtout pas faire une étude amont qui serait donnée dans un dossier perdu au milieu de quelque chose, d'avoir une place, de ne pas prendre la place, attention, mais d'avoir une place dans les réflexions pour vous permettre d'aller plus loin dans vos réflexions. Je vais rebondir peut-être sur... Vous vouliez peut-être intervenir, M. Laurent, sur quelques points. Juste, je rebondis là, parce que j'ai bien aimé la comparaison. Je ne pense pas qu'un maître d'œuvre peut être un écologiste. Je pense que c'est... un écologue, pardon, excusez-moi. Oula. Excusez-moi, c'est pour les livres naturels. Excès de naturel. Bref, un écologue, pardon, je ne recommencerai pas. La fin, c'est quand même le paysage, donc le paysagiste. Et l'écologue est un élément important de sensibilité qui va apporter une variante, une sensibilité au paysage. Mais le maître d'œuvre ne peut pas être un écologue. Parce que sinon, comme on vous le dit, c'est un petit peu, même si je pense comme vous, on fait une friche. Ok, je vais aller un peu dans votre sens pour faire réagir. Et je vais interroger vos amis écologues. Oui, on va y venir. Parce que je voudrais parler d'une petite note de réflexion qui a été faite au sein de la FFP et qui tentait un peu de réfléchir sur le rôle du paysagiste, justement, dans la démarche biodiversité, de manière générale, environnementale. Donc, cette note affirmait que dans le projet urbain, le paysagiste recrée des milieux vivants, crée donc la biodiversité. Il intervient dans les trames vertes et bleues, et il intervient en maîtrise d'œuvre de ZAC intégrant l'environnemental. Et elle disait aussi, cette petite note, disait fermement, dans le grand paysage, il s'appuie sur les systèmes hydrographiques, les corridors biologiques, les plantations bocagères, etc. Il met tout cela en relation avec l'homme. Le social, le culturel, l'art de vivre et l'esthétique. Et il concluait, en fait, cette petite note concluait que le paysagiste était une interface de première importance dans
conception, dans la conception paysagère, est sans doute unique. C'est un petit peu ça. Est-ce que, comment vous réagissez par rapport à ça? Ça vous fait bondir? Ça vous... On a dit plutôt qu'au travers d'un projet de paysage, on va concilier les sciences humaines et l'écologie, enfin, toutes les autres disciplines. Oui, ce qui était aussi dans la note, c'était que le projet de paysage est fait pour l'homme qui vient rencontrer la nature, c'est peut-être ça? Il y a plusieurs visions. Est-ce qu'on met la nature d'un côté et l'homme de l'autre, ou est-ce qu'on dit l'homme? C'est là aussi la nature, parce que c'est une espèce animale, peut-être dans un autre débat, c'est une espèce femme. Donc, je préfère penser que l'homme fait partie de la nature, et qu'il n'y a pas d'un côté naturel, d'un côté artificiel, et que bah, par rapport à Isaac, c'est un bon exemple. Comment fait-on pour créer un endroit de forte activité humaine, mais en laissant aussi la place aux autres espèces bah, pour vivre en harmonie dans tout ça? Et il y a des gens qui ont la connaissance bah, de tous les usages de l'esthétique, etc. Comment amener l'écologie dans tout ça? Mais ça ne fait pas bondir d'entendre... Il fallait en parler, elle existe cette réflexion. Bon, je pense maintenant, vas-y, un petit peu peut-être, il y a des questions sans doute dans la salle, des réactions, des questions qui vont vous être posées. J'en avais une à droite. Je commence par Sylvain Romain. C'est pas forcément des questions, c'est des remarques. Moi, je suis super content qu'il y ait des représentants de la maîtrise d'ouvrage, des représentants écologues et des paysagistes, parce que je crois qu'on n'a pas le choix de toute façon pour qu'on travaille tous ensemble. Et ce mariage, c'est pas qu'un mariage à deux, c'est même un ménage à trois qu'il va falloir faire. En vrac, vos remarques d'élus, je pense que vous n'avez pas à vous inquiéter puisque c'est celle de pas mal d'élus. Ce qu'il faut faire par contre, peut-être, et là c'est un travail qu'on a à faire entre paysagistes et écologues auprès des maîtrises d'ouvrage, c'est de spécifier un petit peu plus les attentes de la maîtrise d'ouvrage sur les enjeux écologiques. Et ne pas confondre les enjeux écologiques avec les enjeux purement environnementaux, comme on a pu le faire pendant de nombreuses années, qui étaient simplement... C'est pas en faisant de la gestion des eaux pluviales, par exemple, qu'on fait forcément de l'écologie, qu'on fait de l'écologie fonctionnelle. Donc il y a cette différence à apporter, notamment aux maîtrises d'ouvrage, puisque souvent, quand on a des petits aménagements de parc, de plus en plus, on demande les compétences d'un écologue, et que l'écologue se trouve bien emmerdé, puisque ce petit parc, il n'aura aucune fonctionnalité dans une trame verte qui sera trop fragmentée, et que c'est seul la vie de certains. Et que parfois, ces seules marges de manœuvre sont de choisir et de nous aider à choisir les bonnes essences ou les bons sujets. Quand on part, par exemple, je parle en milieu très urbain, notamment. Hein. Après, ce que vous disiez sur la question de l'approche écologique, effectivement, on n'est plus... on a dépassé cette approche par l'espèce et aujourd'hui, je pense qu'on se retrouve... Et c'est là qu'on se retrouve entre paysagistes et écologues, qu'on arrive peut-être mieux à dialoguer aujourd'hui qu'avant. C'est qu'avant, si vous aviez une approche de l'écologie qui était plus naturaliste et plus qu'il y a l'espèce, à partir du moment où on commence à parler de milieu, le milieu constitue le paysage, là où l'espèce ne constituait pas. Donc c'est là qu'on commence déjà à construire ensemble des éléments de paysage. Ensuite, sur la question de la maîtrise d'ouvrage, j'aimerais alerter encore... c'est-à-dire qu'à force de rajouter des... et moi je suis très content, j'ai jamais autant appris aujourd'hui que de travailler en contact avec les écologues. Parce qu'on arrive à créer des projets ensemble. Donc il existe des mariages heureux. Et il existe aussi des mariages heureux avec des maîtrises d'ouvrage à partir du moment où vous tenez compte que de multiplier les compétences, et ça c'est nécessaire, l'approche paysagiste elle est de plus en plus transdisciplinaire et c'est comme ça qu'on arrive à faire peut-être les meilleurs projets. Ça demande plus de temps par contre pour les faire et ça demande de mobiliser plus de compétences. Donc il faut accepter aussi de parfois payer un petit peu plus cher les équipes et de ne pas forcément prendre celles qui répondent moins cher. Et puis après j'en trouve plein d'autres choses à dire, mais je pense qu'elles sont dites par d'autres. Déjà des réactions par rapport à ce que vient de dire Sylvain.
Par rapport aux espèces de l'humain, il ne faut surtout pas le négliger parce qu'il est connecté avec son milieu. Les insectes, ça vole, les oiseaux, ça vole, les graines, elles volent. Et puis il y a toute la vie dans le sol aussi qu'on ne voit pas. Hein. Il y a la majeure partie de la biodiversité, c'est des bactéries, des champignons, des acariens, des colomboles que vous ne voyez pas du tout. Et à la fin, l'ours blanc et le lapin, c'est. Mais il y a un enjeu écologique, dans une connexion écologique dans le petit espace vert urbain, c'est clair, il ne faut pas le négliger. Et c'est la seule traduction même de concrète d'une trappe verte et bleue en ville, c'est la nature en ville. Il y a toujours un intérêt. On a besoin peut-être de travailler ensemble et avec un ouvrage sur la programmation de la trappe verte et sa définition. Et le problème, c'est quand on se retrouve parfois avec des équipes purement d'écologues qui constituent les trappes vertes en milieu urbain. Là, bon, il y a un gap puisqu'on n'aura pas défini la question des usages. Et ça, à mon avis, le paysagiste est le plus à même à travailler avec vous pour le changement. Entièrement d'accord. Bon. Alors, je suis d'accord. Non, mais après, chez les écologues, une anecdote. J'ai une doctorante qui travaille sur agriculture biologique, l'agriculture conventionnelle, biodiversité. Et on a présenté ça devant un autre écologue d'une école d'agronomie. Et il a dit, c'est quand même curieux d'aborder la biodiversité en partant des pratiques. Donc voilà, juste pour dire que les écologues, on n'est pas tous. On n'est pas tous fait pareil. Il y avait une petite interpellation également de Saint-Amorin, vis-à-vis de l'éditrice d'ouvrage, sur le prix à payer. Et ça rejoint un peu ce que M. Dumoulin m'avait dit pendant la préparation, qu'il avait envie de dire aujourd'hui. On n'est pas là pour bouffer la rémunération des paysagistes. Donc là, il y a un vrai débat aussi sur le positionnement des uns par rapport aux autres. Alors, non, monsieur. Après, Il y a une réaction par rapport à ça. Oui, non. Je fais bref parce que. Ils sont impatients et c'est logique, on n'est pas là pour parler de temps. C'est moi qui commande le temps. Ah oui, bon, d'accord. Alors, c'est vous qui commandez, c'est vous qui avez la méthode de l'ouvrage, et bien, c'est bien. Oui, bien sûr, on fait attention au coût, parce qu'il y a deux coûts. Il y a le coût d'investissement et il y a le coût de fonctionnement. Il ne faut pas l'oublier. Et le coût de fonctionnement, il est lourd, mais néanmoins, c'est la qualité qu'on veut apporter. Et j'ai eu bien aimé tout à l'heure, il a fait allusion à la SAC. C'est un outil merveilleux, les SAC, parce que ça permet. Moi, je fais ça fait deux fois que je lance des SAC sur 18 ans. En imposant à l'aménageur 30, 40, 50 logements par an. Et j'ai ma petite feuille avec mon petit trait et la parcelle, il les rapporte plus loin. Mais. Donc on programme dans le temps, mais au moins on a un plan d'ensemble. Et c'est là qu'on fait un bel environnement, c'est là qu'on fait un bon paysage, avec ces petites nuances d'écologie. Mais c'est là où, bien sûr, il y aura un souci du fonctionnement des lieux. Il y a vraiment un souci de ça, mais ça vaut le coup parce que c'est vraiment la qualité de vie qu'on apporte. Avant le fonctionnement, il y a quand même la création. Et là, est-ce que le fait d'avoir un écologue et un paysagiste, ça permet de. Le budget change un peu ou est-ce qu'on peut partager ? Non, je vais vous dire un peu brutalement, c'est le problème de l'aménageur. C'est le problème de l'aménageur. Il fait son projet. Et la commune, la collectivité n'a pas à rentrer là-dedans. Comment ? Je crois que ça va réagir. Bon, c'est la réalité. Oui, donc, on verra peut-être un petit peu là-dessus. Il y avait des questions, il y en a eu deux, alors je... Pardon, alors, à qui je donne la priorité, là ? Il me semble que très souvent, on a des problèmes parce qu'on a oublié le bon sens, honnêtement. L'histoire de l'herbe qui pousse en rive du trottoir. Bon, il y a à Saint-Valery-sur-Somme, c'est pas très loin d'ici, il y a un endroit qui s'appelle l'Herbarium. C'est un petit quartier où l'habitant, la commune, n'a pas de problème de l'herbe qui pousse du trottoir, puisque entre le pied de maison et le trottoir, il y a 20 à 60 cm, qui est complètement en fleurs, végétalisé.
d'une végétation adventice ou horticole, entretenue. En plus, l'intérêt, c'est que ça infiltre le pluvial, donc ça limite l'encombrement des réseaux d'assainissement. Et ça, c'est un truc tout bête et qui coûte pas cher. Et qui est très bio. Donc ça, c'est intéressant. Le problème de la friche dont on parlait tout à l'heure, la gestion différenciée, un espace dont on sait qu'on n'est pas l'affectation, on laisse en friche, il suffit de tondre 2 ou 3 mètres de façon régulière, et derrière, c'est en friche. Et le public, le plus béotien, voit très bien que c'est tenu, et du coup, que c'est pas abandonné. Ça ne coûte rien du tout, et c'est très facile. Et alors, tout ça m'amène à considérer quelque chose que tu as très bien dit, Karine, c'est que le paysagiste et paysagiste concepteur que nous sommes, on est, normalement, on doit être des intégrateurs de contraintes pour faire le projet. Et c'est cette notion, je pense, qu'il faut qu'on n'oublie jamais. Ici, un projet qui est mis en relation par rapport à un contexte et usage, il n'y a plus de problème, et on est en capacité de s'entendre tous très bien. Je terminerai mon propos en changeant complètement d'échelle. La norme exclut. Et surtout, la surabondance de normes crée un blocage. On le voit par exemple aujourd'hui, on n'arrive plus à créer de logement. Il n'y a pas que la rareté du foncier qui fait qu'on ne crée plus de logement, c'est qu'il y a trop de normes. Et prenons le cas des éoliennes, par exemple. Et les éoliennes, c'est intéressant parce que c'est une énergie renouvelable, pas cher, etc. Sauf qu'on n'est pas foutu quand même de faire des parcs éoliens en nombre suffisant et qui s'intègrent dans le paysage. Pourquoi? Parce qu'on a tellement de... Quand il y a un projet éolien qui se fait, il se fait au moindre... moi, j'appelle ça le projet string. Quand vous accumulez les cercles d'exclusion ABF, périmètre de protection, je ne sais pas quoi, on obtient, alors là je dis un vide, qui a la forme d'un string, voilà, c'est une image qui porte, et dedans on va mettre nos éoliennes. Et après on va nous dire, beaucoup d'autres nous dire, c'est le meilleur projet pour le paysage. C'est complètement faux. Donc ce que je propose, et on est un certain nombre ici, à avoir vu des très beaux projets d'éolien au Danemark il y a quelques années. Quand c'est dessiné, il y a un vrai projet, il y a une émotion qui se dégage sur le paysage. Je pense qu'on en a tous une quand on prend après la BH, la barrière de BH de Dourdan, quand on vient de Paris et qu'on va vers c'est la 11 alors, il y a le champ d'Abbey, il y a 29 marbres qui suivent le tracé de l'autoroute, et là il y a un vrai projet qui a aussi été fait. Et ça, c'est dommage qu'on n'y arrive pas mieux. Donc il faudrait en fait abandonner un peu ou que chacun fasse des concessions sur les normes. Dans chaque département, il y a un territoire, et on dit, allez, là, on met 150 marbres avec un projet. Il y a quelques projets quand même qui sont faits en France. Il y a les Costa de la Meuse, on en a mis 35, et ça fait un très beau projet de paysage aussi. Et ça évite aussi de polluer avec des tas de petits parcs éoliens de 3, 4, 5 marbres, qui sont vraiment une injure là, pour le paysage. Et encore une fois, c'est une démarche de projet que malheureusement, on n'arrive pas à avoir. Merci. Alors, je vais... Il y a eu une autre réaction, ensuite on a géré, c'est Michel Audu. Ma question vient presque trop tard, parce qu'il y avait un débat qui était avancé sur ça au moment des petites violettes. Moi je me demande si le problème au fond c'est pas les écologistes. Alors je m'explique, évidemment il y a des gens très bien chez les écologistes, mais finalement les écologistes qui représentent une partie de la société assez naïve quant à ses attentes par rapport à la nature, et qui au fond est issu peut-être des réglementations que vous évoquiez sur la mise sous cloche des espèces. Et donc on arrive parfois à des caricatures complètes de l'écologie, et en particulier dans les villes, évidemment. Alors moi j'habite Paris, et à Paris on arrive à des propositions absolument ridicules, ingérables. Sur les trottoirs, par exemple, c'est complexe, on n'a pas trouvé encore la façon de gérer ça. Dans des jardins historiques, très beaux, tout à coup, il faut une enclave de biodiversité qui est très mal conduite, etc. C'est la notion de protection qui est peut-être à remettre en question. C'est vrai que, alors, des exemples incroyables, je vais vous en citer un parce que c'est pas mal. C'est une entreprise qui a une forte
une forte ambition écologique et qui se dit, ah bah tiens, derrière mon terrain, j'ai une zone qui ne sert à rien, je vais faire une mare, ça va être super pour la biodiversité. L'entreprise fait sa mare, il y a du triton crété qui vient, c'est génial, l'entreprise se développe, il faut qu'elle fasse un entrepôt, mais on ne peut plus faire d'entrepôt, parce que les tritons crétés, les protéger, on ne peut plus défaire la mare. Donc la loi va même à l'encontre de l'encouragement à faire de la biodiversité. Et pour faire de la biodiversité, il ne faut pas protéger plus, protéger plus, protéger, il faut intégrer. Et la seule manière d'intégrer, c'est que les écologues travaillent avec les paysagistes qui aménagent sur chaque projet, quoi, sur chaque square, sur chaque bordure de bois. S'il y a un écologue qui est un peu là, on va parler du budget si vous voulez, mais un peu là pour donner un peu de billes sur le fonctionnement, là on va arriver à l'intégrer. Alors il y a des conservatoires de la nature, est-ce qu'il y a des intégratoires de la nature, je n'en connais pas. Voilà, il faut que le fonctionnement des écosystèmes soit intégré dans la réflexion en amont de chaque projet, et c'est comme ça qu'on peut faire quelque chose de cohérent. Alors, dans le conseil pour la maîtrise d'ouvrage, que ce soit par cadre de mission de ce conseil, ou dans le cadre de la mission CAE, c'est la démarche que c'est cette démarche-là, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Charles Ducoulet ? Nous, on essaye d'intégrer dans les équipes, dans les marchés qu'on prépare, qui portent les maîtres d'ouvrage, on essaie d'intégrer. Alors c'est souvent effectivement des paysagistes mandataires associés à la compétence d'un écologue pour avoir effectivement à partir du moment où on sent qu'il y a un enjeu là-dessus pour qu'il y ait une co-conception, je crois que le terme a été évoqué tout à l'heure, qui est une co-conception de l'aménagement. Ici en Seine-Maritime, et souvent on me montre des éco-quartiers, et je me pose toujours la question, alors pourquoi tous les actes ne sont pas des éco-quartiers? Tout devrait être éco-quartier, et on ne devrait pas comme ça sélectionner dans le paysage un lieu où devrait mettre plus l'accent que d'autres, ailleurs. Je pense que c'est une attention que nous devons tous porter, parce que sur le long terme, ça coûte moins cher, c'est un peu plus cher peut-être sur l'environnement, mais sur le long terme, c'est un cadre de vie, et c'est vrai que c'est culturel, c'est un changement culturel là auquel il faut aller. Je peux juste témoigner d'une initiative qui a lieu, qui est en cours sur le département de l'Eure, qui est portée par certaines intercommunalités, le parc naturel régional, le CAE 27, où ils travaillent sur la question des mares, qui effectivement là aussi est quelque chose d'important en termes de trame écologique avec cette idée. Du pas japonais, peut-être plutôt. Du coup, effectivement, c'est extrêmement intéressant parce qu'à un moment donné, ils essayent de travailler l'ensemble des aspects. Alors, c'est souvent dans le cadre de réhabilitation de mares communales. Et ils essayent de travailler à la fois les aspects paysagers, l'image un petit peu de marque, hein, pour revenir à ça, l'image de marque du village, et puis de voir si dans le fonctionnement écologique de la mare, il ne peut pas y avoir une zone avec une gestion moins rigoureuse, qui va là servir de refuge en arrière-plan de l'aménagement, dans une zone plus calme, va pouvoir servir de refuge à des oiseaux, à des insectes, batraciens X ou Y. Et je trouve que, quand même, voilà, on voit ce genre de préoccupation où les choses arrivent à se marier de façon plutôt correcte. Alors, dans le projet, Loïc, pardon, la question qu'on doit attendre. Non, mais c'est juste pour dire par rapport à l'aspect fixiste et normatif. Je vois tout à fait le genre de choses. Et finalement, l'écologie du paysage, c'est quand même de dire qu'on regarde le fonctionnement au niveau du paysage, et donc si on déplace la mare, c'est pas si grave que ça. Et je suis bien d'accord que les naturalistes. Non, et puis, Natura 2000, c'est quand même une vision assez fixiste de la nature, parce qu'on a les choses là, et il ne faut pas qu'elles bougent. Oui, d'abord. Non, mais je sais que. Alors, donnez-moi le témoignage. Non, mais c'est. Comme la larve, s'il n'y a pas la rentrée pour les
C'est anti-scientifique parce qu'il y a des chercheurs qui ont fait évoluer la science aussi. Genre, pour celles et tout ça ne se contredit pas. Parce que je voulais poser à Maurice, dans le projet, justement, est-ce que l'écologie, tu as parlé tout à l'heure de l'écologie comme un outil. Est-ce que l'écologue peut-être peut débloquer la présence d'un écologue, le raisonnement qu'on entend aujourd'hui, peut débloquer un projet qui serait prisonnier justement de normes Oui, certainement, enfin, c'est la qualité du projet qui peut faire ça. Enfin, un petit point quand même sur la réglementation, moi je pense que tous on est dans le produit du projet, donc on est tous à un moment mouvement. Confronté à l'enfinement des natures à venir, tout ce qu'on que c'est difficile, de l'espace boisé classé qui n'est pas au bon endroit, enfin tout quoi, de la marque classée, enfin des coupures de calcosité pour une nombre différent avec toutes les réglementations possibles, c'est très difficile avec des zonages de protéger les éléments vivants en fait, les dynamiques. Quand même, il faut quand même préciser aussi qu'un certain nombre de protections pour sauver des lieux. Non mais faut, je voulais juste le dire quand même, hein, parce que la loi littorale en France a quand même sauvé le littoral français, il suffit d'aller en Italie pour s'en rendre compte. Les sites classés ont sauvé des lieux de projets de promotion à 2 francs. Donc il faut quand même aussi rappeler ça, que un certain nombre de protections ont quand même préservé des lieux vraiment de très grande qualité paysage. Enfin, je voulais juste leur dire. Après c'est vrai que sur des coups, on intervient quand même pas mal sur des sites naturels, beaucoup qui ont l'ensemble des protections possibles, et c'est vrai que la vision d'un projet dynamique qui s'insère dans un développement écologique du site, dans une vision effectivement qui prend en compte toutes les composantes, mais pas que celle-là, je crois que... Donc, effectivement, ça un blocage qui est peut-être un peu dans l'excès. Est-ce que le fait de travailler, parce que quand j'écoute Jean-Michel Boudin, c'est vrai que le blocage est souvent sur la dimension de l'écologie du paysage, c'est peut-être aussi un moyen de dépasser justement ces blocages. Ouais, parce que les gens ont peur du changement. Et c'est vrai que de développer un projet, de se mettre dans la dynamique de projet, c'est pas évident. Notamment pour les services qui sont en charge de l'application des règles. Parce que, effectivement, la tentation de dire que ça reste comme ça, elle est forte. En fait, d'ailleurs, ça ne reste jamais comme ça. Les espaces continuent d'évoluer comme si on ne fait pas de projet. Donc là, c'est vrai que c'est une contrainte. Et bon, la vision dynamique est beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a des moments qui sont difficiles. Quoi, sur certains sites classés, on fait un projet, tout va bien. Toutes les étapes réglementaires, mais au moment où on sort les pelleteuses, là, il y a comme un truc qui revient, là, et bon, voilà, enfin, mais c'est vrai que le projet, il est pas facile à... La notion de projet, elle est pas facile à faire comprendre à tout le monde. C'est le roi ? Oui, je voudrais revenir sur écologiste et écologue. Parce qu'en fait, on se rend compte que les écologistes sont, même s'ils ont eu au départ, ils ont sensibilisé de façon indéniable tout le monde sur la nécessité de faire attention à l'environnement et le respect de l'environnement. La prise en compte, pas le respect, la prise en compte de l'environnement, c'est indéniable. Néanmoins, maintenant, ce sont les mauvais ambassadeurs de l'écologie. Et le problème qu'il y a derrière, c'est que comme ce sont des politiques, c'est eux qui ont l'influence sur les normes. Et les normes, plus ça va, plus c'est testé. Et nous, les maîtres d'ouvrage, comme vous nous appelez, eh bien, on est bloqués par ces normes qui nous contrarient continuellement et qui on arrivait aux aberrations que je citais tout à l'heure, mais c'est plus de l'écologie que l'on fait. C'est de la normative. Non, mais c'est vrai dans tous les domaines, hein, celui de l'accessibilité, par exemple, ou d'autres, bon, là, on arrive à des trucs qui sont évidemment des projets très techniques. Mais les normes, moi, je voulais revenir sur justement
tout sur c'est crispant, c'est énorme, mais je voudrais aussi rappeler que des fois on interprète mal aussi certaines normes, par exemple Natura 2000, qui est une invention néerlandaise, qui est une politique européenne. Les Néerlandais ne le voient pas comme un élément qui pour figer un paysage, et les paysagistes sont là pour créer des sites Natura 2000. Hein. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une dynamique, et ça, jamais on avait commencé comme ça. Un endroit, ça, ah, c'est naturel de lui, on n'a pas le droit d'y aller. C'est quand même une vision différente qu'on a des, ouais, des normes suivant les pays. Alors on a les mêmes politiques européennes, mais on les regarde différemment. Et peut-être qu'on les regarder de façon où on se la prend en charge et pour en faire quelque chose et pour créer quelque chose. Hein. C'est peut-être aussi à nous de changer le regard sur ce qui semble être toujours quelque chose qui est une contrainte. Bien, le temps, l'horloge tourne, bientôt une heure et demie que nous avons commencé. Avant de peut-être de conclure, de demander à savoir s'il y a d'autres questions de la salle, parce qu'on a un peu d'interaction, s'il y a des questions qui n'ont pas été posées, vous avez des réactions à faire part, non? Si, pardon, alors. C'est en tant que, enfin, c'est pour Monsieur Le Roy, en tant que maître d'ouvrage, vous souhaitez votre projet réaliser plus vite, plus visible pendant votre quand vous êtes le maire, et où vous mettez, dépensez votre argent beaucoup plus dynamique, ou avec le temps duré pour créer le paysage plus comment dire. Le paysage, il faut la difficulté pour un élu, c'est anticiper sur le temps. Si on n'a pas une vue d'ensemble, on fait, vous allez comprendre tout de suite les urbanistes en plein de terre, des pipes, des lotissements et des accumulations de lotissements. C'est pas de l'urbanisme, c'est du n'importe quoi. La réflexion qui est indispensable à avoir en tant qu'élu, c'est savoir avoir une vue globale de sa commune, avoir une conception d'ensemble et pouvoir la concevoir dans le temps. Et alors, c'est vrai que ça demande une gymnastique importante, mais c'est que comme ça qu'on peut y arriver. Je vais vous donner un exemple. On lance une nouvelle ZAC. Mon adjoint d'il y a 6 ans me dit « Ah, on peut le faire à tel endroit. » Et je lui dis « Oui, t'es bien mignon, mais comment tu vas faire passer la circulation qui va venir de cet axe, pas par cette rue-là, effectivement ?» Donc, si on n'anticipe pas l'urbanisme, on n'y arrive pas. En plus de ça, si on ne fait pas dans un plan d'ensemble, je veux simplifier la question. Est-ce que vous souhaitez le projet fini dans votre temps de politique? Oh non, attendez. Non, surtout pas. Surtout pas. Attendez, on est là. Alors, moi, c'est pas ma conception des choses. Vous êtes concret, là. Vous êtes dans le mandat électif. Non. On ne construit pas pour son temps, on construit pour l'avenir. Et ça, ça doit être très clair. Moi, j'ai présenté au dernier conseil la réflexion d'urbanisme sur les 30 à 40 ans à venir pour la commune. Je vous promets, je ne serai plus élu. J'aimerais avant de conclure, peut-être pour donner la parole les uns après les autres, pour peut-être souligner une question. Abordé, petite conclusion, la question était est-ce que le mariage est impossible d'une part. Bon, donc j'ai l'impression que dans la salle personne ne s'est levé déjà pour le contester. J'ai envie de vous demander aux uns et aux autres si ce mariage est possible, est souhaitable et est envié. On va peut-être commencer par Karine. Petite conclusion du débat, mais c'est vrai qu'on n'a pas tout signalé. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé? Non, il y en a peut-être, mais pour moi, ce qui reste important, parce qu'effectivement,
paysage culturel tranquille, paysage culturel, je ne l'entends pas dans le sens patrimonial, mais le paysage de demain qui sera un paysage économique aussi. Paysage sur le nouvel temps, peut-être aussi en distinguant bien nos deux métiers. Parce que je pense que c'est en apprenant l'un de l'autre, une discipline et de l'autre, les paysages vont grandir, plutôt la distinguer. Voilà, et c'est là que je voulais juste rappeler que dans le métier de paysagiste, c'est pas tout à l'heure, je l'ai oublié de le dire, mais je pense que c'est important de rappeler qu'il y a des jeunes paysagistes qui sont ici. C'est Yann McCart qui était le premier à lui mettre l'accent en 68, je crois, en 69. Il faisait partie de ceux qui avaient commencé à poser la question interactive entre paysagistes et paysagistes. Seconde conclusion, mais le paysagiste, vous aurez la parole, je vous le dis. Vous êtes nos invités au ce soir, vous aurez la parole après. Après les paysagistes. Je crois que c'est ça. Bah, du coup, moi, peut-être en termes de conclusion. Voilà, nous, il y a mercredi après-midi, on était au cœur des marais de l'estuaire de la Rille avec des élus. On a passé l'après-midi à regarder les cigognes, à regarder la façon dont les sols blancs étaient étêtés. On a regardé ce réseau de fossés au milieu d'un grand système de traits humides. On a vu qu'effectivement, permettre la régression de peupleurer, donc la réouverture de certaines vallées au profit d'un discours écologique, ou écologiste, je ne sais pas comment, écologique, ça permettait aussi de faire évoluer les paysages. Donc voilà, on est sur le terrain, comme disait Karine tout à l'heure, on est sur le terrain, on est là pour accompagner les élus, on est là pour leur apporter de nouveaux regards, et c'est le travail qu'on fait en tant que paysagiste au CAE, bah, c'est d'accompagner les communes, d'accompagner les élus, d'apprendre à chacun la valeur des choses et de permettre aussi aux élus de communiquer auprès de leur population. Oui. Troisième, inclusion paysagiste. Un tout petit mot, non, mais on voit bien que les échanges sont intéressants, on a envie de parler de faire des projets, ça c'est bien. Moi j'ai un tout petit regret, c'est qu'on n'ait pas parlé de ça en 1950, on aurait déjà gagné du temps. Les vallées qu'on rouvre, on ne les aurait pas fermées. Non, mais c'est vrai que bon, y a quand même l'impression qu'on est toujours en train de rattraper les conneries qu'on a fait avant et on se demande si on n'est pas en train de faire celle de demain. Donc voilà. Alors, nos amis, pour conclure, deux choses. Un petit conseil méthodologique, quand vous abordez un espace à aménager, alors vous l'abordez selon le prisme des usages, de l'esthétique, bah pensez aussi aux écosystèmes, au fonctionnement écologique. Est-ce que dans cet espace, il y a des zones de pollinisation, des zones refuges, des zones de chasse, de reproduction pour tel ou tel animal? Est-ce que c'est en cohérence avec les milieux plus naturels qui sont autour de ce site? Bah, prenez un peu du recul. Et c'est ça la bonne méthode, est-ce que vous voulez. Et puis bah, les ingénieurs écologues sont là pour vous aider. La deuxième chose, c'est qu'à l'AFI, l'association interprofessionnelle des écologues, on lance une réflexion sur le travail entre écologues et paysagistes. On serait très très heureux d'avoir un représentant de la FFP qui vienne réfléchir avec nous sur quelles sont les meilleures méthodes de travail, qu'est-ce qu'un espace vert écologique, comment améliorer aussi dans la commande publique les demandes en écologie. S'il y avait quelqu'un qui était partant chez vous, ce serait plus intéressant. Et ben voilà déjà la première ligne de l'année prochaine en rapport du jour pour la FFP. Alors, Jacques Audry. On va peut-être pas conclure. Non, mais par rapport à la dynamique des paysages. Pour ce soir. Oui, on va s'arrêter. Dans la dynamique des paysages, travaillant avec les paléo-environnementalistes, c'est quand même que depuis 3000 ans, les couverts végétaux, alors je ne sais pas si on parle de paysage, les couverts végétaux ont tout le temps changé. En fait, c'est pour ça
dire on a fait des erreurs dans les années 50, les années 60, oui, mais c'est parce qu'en fait, on avait une vision très monofonctionnelle de cet espace. Et je pense que là où les écologues et les paysagistes, et puis les autres aussi, c'est de rendre le paysage compréhensible. En fait, c'est compréhensible à la fois. Je suis d'accord avec le paysage que je vois de demain, ce d'hier. Enfin, moi, je n'ai pas envie de revivre le bocage de 1950. Donc, le paysage de demain, il faut le comprendre à la fois sous ses angles d'usage, ses angles esthétiques. Finalement, les échelles changent, les échelles de déplacement changent. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire au plan écologique ? Je travaille. On critique beaucoup les paysages agricoles, l'évolution, mais en fait, la difficulté, c'est à la fois que les agriculteurs expliquent pourquoi les paysages changent, et puis qu'ils veulent bien intégrer dans ces changements le fait qu'ils gèrent des ressources pour la collectivité. Donc il y a ces deux échelles qui sont à prendre en compte, et les paysages. Donc, d'abord, je suis content de dire, parce que finalement, des paysages, si on arrive à ça, je veux bien voir plus. Merci. Avant de vous laisser la conclusion, M. Laurent, ce que j'avais prévu de vous laisser, comme vous êtes le seul officier d'état civil, c'est vous qui allez vous dire si un mariage est possible. J'aurais voulu, auparavant, donner la parole à Camille Mangin qui voulait nous apporter quelques précisions. Je remarque notre travail de thèse qui a été fait au sein de l'école du paysage d'Angers par une doctorante dont on va soutenir sa thèse dans 2 semaines. Et dont le sujet est l'évolution des pratiques paysagistes au regard des enjeux écologiques. Elle s'est centrée sur la conception urbaine, mais une fois que ce sera en tout cas publié, je pense que c'est un travail vraiment intéressant. Tous les paysagistes doivent s'emparer, parce qu'elle remet le contexte théorique et elle analyse des pratiques aussi, des cas concrets. Donc ce sera, elle soutiendra le 27 juin, je crois, donc après ce sera rendu public. Vous prenez tous le 27 juin. Bien, alors, monsieur le maire, vous le célébrez ce mariage ou pas? Je vais vous dire, moi, nous avons besoin, nous, maîtres d'ouvrage, nous avons besoin de vous, les écologues, j'ai bien dit écologues, entendons-nous. Et vous, les paysagistes, on a besoin parce que vous permettez de remettre en valeur nos 5 sens. Et quand même, pour l'être humain, on remet la nature au centre de la vie. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est important. Qu'il y ait un peu moins de normes. Et aidez-nous à ce qu'il y ait moins de normes qui sont archaïques et dépassées parce qu'extrémistes. Et cela, c'est mauvais. Et à ce moment-là, le mariage, vous l'aurez le mariage, mais comme je le disais au tout début, que l'un et l'autre se fassent des concessions, et à ce moment-là, le maître d'ouvrage pourra célébrer le mariage. Bien, je crois surtout que le médecin que vous avez été, puisque les décors sont aujourd'hui les arts, d'une manière très, très, très remarquable. Voilà, c'est terminé. Donc on va se regrouper à l'extérieur, sur la terrasse. Et là, je vais passer la main à Eric et ses équipes qui vont vous conduire donc pour la visite. Donc...